Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Shadow Gambit. Alors, on avait terminé notre histoire et on a du coup récupéré suffisamment de points de vigueur pour pouvoir débloquer une amélioration. Ce qui est plutôt cool. On va commencer déjà par discuter avec le Marley. Après j'ai vu qu'on avait une discussion à faire avec je crois Toya. On va avancer un petit peu. The relic of Bark and Bramble is ours. Interesting memento he left for us. Your first battle scars, eh? The captain was adamant that I keep them. I'd rather have undone the damage. Every good pirate needs a few scars to brag about. I will ponder your pirate ideals while I savor the energy from the relic. Ok, donc on a obtenu de l'énergie d'âme, donc si la prochaine quête qu'on fait c'est récupérer une perle noire, on pourra ressusciter une nouvelle personne. Et avant, papotons avec le monsieur. Qu'est-ce qui lui arrive? Ahoy, ship cook. So how does it work around here? Do I just order something or is it more of a sit back and eat what you get kind of place? I don't mean to intrude. Sit down, please. Oh, yeah, of course. No. What do you think cooking is? What do I think cooking is? Don't repeat the question. Answer it. It's tasty. Maybe like a form of art? It is war. A war I do not intend to lose. So if you insist, it is the latter. The latter of what? This curry is more of a sit back and eat what you get kind of place. Here, take this. When did you make this? Smells delicious. Between two blinks of your eyes. In my profession, you neither waste time nor ingredients. Now try it. The temperature is intended. Incredible. This is the best thing I've tasted in years, maybe ever. Another bout one. So the spree continues. What? You routed me the moment I smelled this dish. I'm glad to hear it. Now you may leave me to my work. I'm looking forward to our next bout. Likewise. La classe, le cuisinier, ninja, quoi. Alors, donc on a l'énigme à faire et parler à Virgilio. Je crois que c'est une des figures de proue, Virgilio. On ira voir après. On retourne là. On lui parle. What can I help you with, Navigator? We've been on this journey for a while. I'd like to know a bit more about you. Ask away. How did you come to be? The captain created me. The first thing I remember is his voice, giving me my name. I've met my share of ship souls, but none were as strong as you. I was created from the fragment of an ancient and powerful soul. My potential has only grown with the voyages we made and the strength of my crew. Now, it's my turn, Aethia Manicato. Tell me about yourself. Not much to tell. Grew up in Soulspire, just another orphan swept in during the war. I always knew I wanted to be a pirate. Just didn't know how hard it'd be to get there. I took cuts and bruises, bloodied my hands and my soul to get that black pearl in my chest. Curious. You seem to cherish your painful memories. I'll never understand that. What? You never took a few punches to get a prize? Not many. Usually when they happen, I unleash a memory and find a better way. I see. That does take a bit of the fun away, don't you think? If you say so, Navigator. Now, I believe we all have work to do. Alors, Virgilio, est-ce que c'est bien des figures de proue? Non. Virgilio. Ah, c'est. Non, c'est le jester, ouais, c'est lui. Consider it done. C'est vrai qu'il est invisible. À notre ami le Marley. Hmm.
My, my, look at you. You think you've been in the Marley's crew for years. Jealous, are we? Oh, on the contrary. I'm quite content to remain under the Marley's notice. I get the feeling you distrust her. Trust is not the issue, Signora. Alas, I forget you are still playing the game blind. So why don't you educate me about the rules? But what fun would that be? All pieces are on the board. Observe the game. Learn what moves to make. And if I don't? That would be telling. A presto, signora. Mm-hmm. Il devient de plus en plus douteux celui-là. Alors, on va aller regarder les améliorations. D'ailleurs, en vrai, j'ai peut-être même pas besoin d'y aller passer par là. Hein. Ah non, je peux pas le faire d'ici. Ok. C'est parti. Alors, l'amélioration. Ça augmente la portée, c'est pas limité par la ligne de vue. Mais par contre, on a un usage limité. Ok. Là, on a le coquillage 4 temps. Il attire les gardes, mais ils le ramasseront pas, d'accord. Et ça, quand on n'utilise pas des ombres, le Katashiro disparaît pas, mais il peut nous permettre de nous replier. Ça, c'est fort, ça. Et toi, tu fais quoi? Tu peux dissimuler des membres de l'équipage pour éviter un danger. Je pense que je vais prendre ça. C'est quand même très fort, ça, j'ai l'impression. Là, ça nous aurait bien servi typiquement lors du dernier, de la dernière mission. Et du coup, on peut faire l'ultime suite. Savoir enfin ce que devient le poisson. I just wanted to check in. Oh, Gael, it's you. How delightful. No, it's well, yes. It is me, Gael. And what bothers you today? You never talk to me unless something ails you. I apologize, Gertrude. Oh, don't apologize. When you grow as old as I have, you become accustomed to less and less people relying on you. Thus, I've come to cherish the moments when someone looks to me for guidance. And I would advise you to do the same, my child. I must again thank you for your wisdom, Gertrude. Ah. Oh. But then, why don't you entertain me with a bit of poetry, Gael? Poetry? No, I... well, I know of one piece. It is very old and has been spoken among my clan for generations. Swallow in the dusk. Spare my little buzzing friends among the flowers. How beautiful! Thank you, Gael. Now, go and seek pleasure in your usual tasks. Maybe they will find a way to surprise you. Mm-hmm. Hmm. The pantry is full and I haven't cooked all day. I must remedy this at once. Retournons à la cuisine. Ah mais non, c'est son poisson là, c'est son copain. Huh? What are you doing here, Sakana? Sensei, I did it. The mission was a success. Hold still, Sakana. You are rapidly losing blood. What happened to you? The mission must remain secret. I see. Well, there are several pieces of sanctified iron in your flesh. Your only chance of survival is their quick removal. There is no need, Sensei. The mission succeeded. My purpose is fulfilled. No, Sakana. Do not confuse your life's purpose with that of your mission. Oh non, Sakana. Now hold still and calm your breathing. I will have to remove these shards one by one. And that is the last one. A couple of days rest and you should fully recover. The pain... it is lessening. What was that technique you used, Sensei? Ha!
That technique was called cooking. It is a humble art I've taught myself over many years at sea. Cooking? I've never heard of it. Do you think I could learn it, Sensei? My late sensei used to say, with the mastery of one skill begins the discovery of another. And as you've shown yourself to be a very capable student, I'd be willing to give you a chance. Under one condition. Which is, Sensei? Well, you have to pass a small test, of course. If you can obtain a frying pan from Mordecai's cabin, I will accept you as a student, Sakana. Okay. C'était le dernier du coup? Ça se termine comme ça ou est-ce qu'on va pouvoir voir la poêle à frire du gars? Équipage, Toya. Non, on a terminé, d'accord, ok, très bien. On a terminé son histoire. Fort bien, fort bien. On va donc pouvoir choisir une mission. Alors, est-ce qu'on a une perle? On peut retourner une dernière fois ici pour récupérer une perle noire pendant la journée. Et ben, j'ai envie de dire qu'on y va. C'est parti! Alors, comment ça va se passer cette fois? On Dreadvine's Cove. We should wait. Is that the red Marley I sense at the edges of my consciousness? Greetings, Dreadvine. You wouldn't know anything about a black pearl on your island. You are not the first ones to ask for this little bauble the brine brought in. A magistratus has been incessant about it. His hollow threats have long stopped being amusing. We could silence him for you, in exchange for the pearl. I fail to see why I would give up such a valuable object of study. Would you rather wait until the Inquisition pries it from you? All right. Take care of the Magistratus, and then we can negotiate. I smell dishonesty here. Don't worry, Navigator. I have a plan. Now, choose our entry. Par contre, j'ai pas choisi j'ai pas choisi mon équipe là. Pourquoi? D'accord. Alors bon, on peut débarquer où? Ici. Il y a des gens là à gérer, pas mal de monde quand même. Il y a pas mal de monde. Hein. Là, il y a. Ça c'est une cloche, ok. Une cloche. Ici il y a un peu moins de monde et on arrive directement sur l'aire de patrouille. On va débarquer là. Ah ok, on choisit l'équipe maintenant. Lui il nous donnerait un point de vigueur bonus. On va le prendre. On va prendre Toya pour tester sa nouvelle compétence. Et je pense qu'on va prendre Afia aussi. C'est parti. Death is not defeat. Alors on va voir un petit blabla comme d'hab. En fait je crois que c'est le même endroit où on a débarqué la dernière fois. Je reconnais cette composition. Non, on n'a pas un petit blabla. Mais par contre ça devait être de nuit la dernière fois qu'on a débarqué. Donc là ils vont nous voir beaucoup mieux. Vas-y toi. Anyone hungry? Raise with your legs. My chest is off limits. Je pense que là il nous voit pas, il y a un angle mort. On peut s'amuser à les nettoyer sans problème. Ensuite on va grimper, sauvegarder un coup, il y a vraiment pas de blabla, donc on va avancer. Et au moins on est débarqué. Non, tu vas le laisser par terre en fait.
Comme ça, on va pouvoir le choper avec notre petite calèche. Voilà. Alors, viens de foutre là et on va observer un peu. Donc, éliminer la patrouille. Ah, c'est pas celle-là. Trois patrouilles, du coup. Celle-là avec le magistratus. Et j'en vois deux, du coup. Je pense que ça doit être les trois membres de cette patrouille-là qu'il doit falloir éliminer. On nous dit, la magistrature et son entourage des gens, Javigne Froid, éliminés. Ok, c'est bien ça. Bon, déjà on peut assez facilement se débarrasser de lui, normalement ça doit pas changer ça. Il n'y a personne pour le surveiller. Donc on va grimper, aller se poser là-bas. On n'a pas la relique à aller chercher, donc on va pas s'embêter avec les trucs en trop. Alors on va même pas besoin de se planquer, on va juste se mettre là. Toc. What's in it for me? Balanced to perfection. In a moment. Sauvegarder. The Marley's special skill. A heavy customer. I'm going in. Voilà, ça c'est fait. On devrait du coup pouvoir éliminer assez facilement cette patrouille, mais par contre il va nous falloir de la téléportation. Parce qu'on peut pas... Ouais, là on est sur du long, donc il va falloir qu'on pose un truc sur leur chemin et qu'on utilise Afia pour se téléporter en même temps. Ok, alors on va voir exactement où il passe. My blade is ready. Tu pourras aussi me faufiler là, en attendant qu'ils reviennent. On va essayer de les choper là parce que c'est dans l'angle mort des gardes. Ils passent où? Sur la route, un peu avant. Plutôt par là. Ok, plutôt par là. C'est parti. Venez tous. Toi, tu lâches ton truc ici au passage. Et on se planque là-dedans. Un peu, petit peu plus loin pour pas être trop proche du bord quand même. On va bientôt se cacher, hein. On va bientôt se cacher. Et ensuite on attend qu'ils reviennent. Alors faut qu'on essaye d'être bien synchro pour que... Voilà, on mette pas tout, comme tout à l'heure les mêmes compétences sur les mêmes mecs. If there is value, it's mine. Cut through the shadow. Got a good head in my chest. Ok, ça c'est fait. Et du coup, il a posé son cachiguero ici. On pourrait se replier avec. Ça c'est quand même pas mal, hein. Je sens que ça va être bien cette comp. Donc la patrouille. I will leave it to the cursed brush. It has endured the fire longer than many abominations. Là, il y a des mecs qui sont en train de scier du bois. Et après, il continue par là. Ok, jusqu'où il va? Alors on devrait pouvoir se débarrasser facilement de celui-là, de ces deux-là, peut-être de lui aussi parce qu'il doit être dans l'angle mort des gardes. Mais eux ils font demi-tour ici, ok très bien. Donc il faut qu'on nettoie de ce côté-là. Alors lui, est-ce qu'on pourrait l'attirer? On pourrait l'attirer. Hein. L'autre là il fait sa vie. Hop, tout le monde vient là. Diamonds, rubies, emeralds. My best piece. Oh. You'll pay with your demise. Non. Pas bon ça. C'est bien ce que je pensais que le. L'autre en haut là, il allait nous voir. Diamonds, rubies, emeralds. Donc il faut qu'on observe où est son angle mort et on posera la tête. Normalement, il va y en avoir un là. On peut pas voir parfaitement en bas. Après il papote, blablabla. Oh, c'est lui qui m'a vu peut-être. Ah, c'est peut-être lui qui m'a vu. Ouais, là il y a un bel angle mort. Ouais, donc c'est bien lui qui m'a vu. Et donc il faudrait qu'on l'attire quand même assez loin. Lui fait que passer. Donc il faudrait qu'on l'attire genre par ici.
et en même temps sans qu'il nous voit. Ok. Golden opportunity. On va geler. Straight to the point. Anything shiny? Toi, tu vas jeter ton truc ici. Attends, qu'est-ce que tu fais? My golden sword. Ok, on a complètement foiré là. On va attendre du coup que ça recharge. C'est bizarre, il a l'air d'avoir un petit bug quand on double-clique en mode. Hold it right there. Là, on le gèle et toi, tu viens jeter ton truc ici. I can smell gold. Et après, tu te replies plus vite. Ok. Let's get moving. Et du coup, toi, Blink. Une fois que l'autre y sera venu, tu le chopes. Et tu le ramènes. Et toi, tu vas récupérer ça. Et on va les réorganiser parce que je suis un peu perdu. Là. Voilà, c'est pour ça que je me gourde de comp. Donc lui, c'est géré. Sauvegardons. On va attendre du coup que le copain là, il passe. Voilà, il fait sa vie. On part loin de la porte. Et on se faufile ici. Juste à temps pour que lui ne voit pas. Parfait. I've heard news from Madre Grande. Yes, yes, you can tell me later. If there is value, it's mine. Il y a peut-être lui là qui peut nous voir. Non, c'est beaucoup trop bas, il ne nous voit pas. Parfait. My soul is razor sharp. Hop le. Any coin? It will be dealt. Don't let the flame get you. Replie notre copine. Thank you. Merde. Is that? Ça c'est pas cool. J'aurais dû replier le cadavre. Le cadavre il se déplace pas tout seul. Bien évidemment. Nobody takes what's mine. Tu arrives, on se planque. Pas trop loin. Diamonds, rubies, emeralds. Pas n'importe quoi. Aye, measure is unceasing. If there is value, it's mine. On sait que la canne se rechargerait plus vite, mais l'autre en fait il va très vite là à faire son aller-retour. Keep it for a rainy day, Marley. There's no distance. Vas-y, exécute ça. They all seek my riches. Allez, le cadavre tombe. Ok. Toi, tu te barres. Et toi, tu nous ramote ça. Voilà. Et du coup l'autre il va faire. Oh mais c'est étrange. Où est-ce qu'il est? Tu te replies. Hop. Tu le chopes. Voilà. Tiens, lui il a vu qu'il y avait un truc qui avait sauté devant lui. Ça l'a un peu surpris. Ok, donc là on a géré ça. Là il y a un mec qui est de dos, qui est surveillé par personne. Ça pourra toujours faire quelqu'un de moins. Va t'en occuper pendant ce temps-là avec les deux autres. On va progresser. Alors là il y a les deux cons qui surveillent, plus ces deux-là. Ça va être tendu. Pourrait éventuellement faire le tour. Tiens, il y a plein de cadavres. How will you dispose of him and his entourage? Something direct and violent. Very well. I shall observe your stumbling with mild curiosity. If I may ask, why do you tolerate the zealots? They provide a modicum of distraction. Not that there's much new to learn. Their idiotic dogma changes little. Still, playing with fire does have its allure. Donc on est d'accord que là, ils font le tour directement. Il va nous falloir nos trois mecs pour les tuer de toute façon. Lui, il voit rien parce qu'il a ses trucs devant lui. Donc le vrai danger, c'est ces deux-là. On avait un peu galéré à les éliminer déjà la dernière fois, ces deux-là. Donc est-ce qu'on peut changer de stratégie, arriver par un autre côté? On peut arriver par là.
Ce qui veut dire qu'il faudrait qu'on nettoie tout ça, on nettoie une brèche, on arrive par ici après. Ouais, on pourrait éliminer lui, mais alors par contre il y a du taf. Hein. Ah, je peux faire le tour là, ça passe. C'est plus simple. Et du coup on peut éliminer celui-là assez facilement, celui-là assez facilement. Et s'ils sont en angle mort, en plus ils s'approchent, là on a moyen peut-être de faire le taf là. Okay, on va attendre qu'ils passent parce qu'ils vont me voir sinon. On se fout dans le dos. Toc, 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 voilà. On voit plus. Sauvegarde au cas où il y a une vision que j'aurais ratée. Cut through the shadows. My soul is toi ma chère, tu vas là. Après tu reviens là, pendant que l'autre. Il y a du bruit. Il y a eu du bruit. J'avais pas vu que la téléportation a l'air très haute. Autant pour moi. Déjà on peut se débarrasser de celui-là. Et du coup on va faire autrement. Faut qu'on attire lui. Les autres ils sont encore loin. Allez, grouille. Ça, ça met 5 secondes à le tuer, c'est un petit peu long. Je pense que ça passe. Ok, ça passe. Une sauvegarde. Et maintenant, comment on va éliminer cela? Observons. Là, on peut se téléporter sur lui. Tuer celui-là. Tuer celui-là. So you've managed to silence the annoying magistratus. I admit this did prove a slight distraction. Now, if you lose, I have ancient questions to ponder. What is it now, Marlin? You know. La perle. I do not take kindly to interruptions. May I remind you that you owe us a black pearl? I remember agreeing to no such thing. Neither do I feel inclined to negotiate now. In that case, let me use my power to undo our actions. Then we will leave you to the Magistratus's ramblings. You are no fun, Arden. Very well. Have your precious pearl, if you must. I have delivered it to the watchtower at the Shattered Cliffs. I trust you are able to collect it yourself. En fait, ouais, on peut plutôt passer par là, comme ça on élimine les mecs et on a la brèche qui est ouverte pour pouvoir repasser. Donc, on a un gars là qui surveille. Très bien, lui glande. Est-ce qu'on peut grimper? Oui, il y a une échelle là. Nobody takes what's mine. Hop. On va commencer par en haut. Alors, comment ça se passe? On a un garde ici, lui. On est dans son angle. Lui, il voit rien, mais il va quand même être. Si on fait du bruit, il va nous entendre. Là, on stun ces deux-là. Est-ce que lui, on le stun quand il passe? Oui. Donc si on tue celui-là, ça pourrait le faire. Là par contre, niveau vision, c'est pas ouf. Mais là, on a un angle pour avancer. Donc il faudrait que Toya s'occupe de lui, probablement. Ouais. Ou alors lui, on le fait descendre. On pourrait faire ça. On le fait descendre.
un truc que lui seul voit. Avec le crâne. Bon, juste là. Ah, il continue lui. Intéressant. C'est dommage ça. Alors du coup, est-ce qu'il va revenir assez vite? Ça, c'est la question. Parce que lui du coup il va se retourner, il va me voir, ouais, on est d'accord. Ça ne passe pas ça, ça ne fonctionne pas. Logique, donc il y a un timing un petit peu compliqué à faire si on veut faire ça. En temps, ça synchro beaucoup d'actions random. Then we will leave you to the magistratus's ramblings. On est beaucoup trop loin pour ça. Ok. Very well. Have your precious pearl, if you must. I have delivered it to the watchtower at the Shattered Cliffs. I trust you are able to collect it yourselves. With pleasure, oh mighty Dreadvine. Is that? My soul is razor. Petite sauvegarde. Allez, reprends ta ronde, toi. I'll be there soon. Voilà. C'est bien joué. I like this one. Little Deathbringer. A single strike. Ah merde, il l'a eu, je vais le voir. Annule. Je me suis gouré de touche. J'ai fait bouger le Quentin là au lieu de faire bouger l'autre. Donc là il voit le cadavre, très bien. Donc toi tu veux venir ici. Non, il s'en fout. Ok, très bien. Et lui, du coup, il le voit pas. Ok, très bien. Ouais, toi, tu suis là. Après, tu iras récupérer ton crâne. Hop. Ok, ça c'est fait. On peut pas récupérer le cadavre là? Fais donc. Slice and dice. Raise with your legs. Celui-là. Cursed day. Ok. Ça c'est fait. Une petite sauvegarde. Et on va arrêter l'épisode là parce qu'il est suffisamment long. La prochaine fois on progressera jusqu'à la perle. Je pense que ça se fera relativement aisément. Ça va juste une question de patience. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à laisser un petit commentaire. Une fois de plus, n'hésitez pas à acheter le jeu s'il vous plaît pour soutenir le studio. En espérant qu'ils annulent leur annonce, même si j'y crois pas trop, c'est comme ça. Dans tous les cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde !